Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, je vous annonce qu'on va reprendre une fois pour toutes, parce qu'à chaque fois j'arrête et je reprends, mais cette fois-ci, nous allons reprendre les vidéos rétro gaming tous les week-ends. Donc, vous aurez par jour, donc le samedi et le dimanche, une à deux vidéos rétro. Tout dépend des jeux, tout dépend si je peux ou je ne peux pas parce que j'ai d'autres jeux qui ne sont pas rétro, qui demandent simplement d'arriver sur la chaîne YouTube car je suis quand même obligé de mettre des jeux non rétro le week-end histoire de compléter les let's play, passer à d'autres jeux, etc., etc. Donc il y aura du let's play rétro gaming mais aussi du non rétro gaming le week-end. Tout dépend, il y aura peut-être une à deux vidéos, voire trois vidéos le week-end. Il y a forte chance qu'il y en a trois parce que justement il y a le rétro gaming avec. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Resident Evil 2 HD Project 2.0. Donc je vous ai déjà présenté Resident Evil 4 HD Project. En gros, c'était un petit remake qui avait été fait, une petite retouche graphique des textures, mais qui a été repris par des fans. Et cette fois-ci, c'est la même chose avec Resident Evil 2 à la version 1998, avec les caméras anciennes, mais plus beau, plus propre, plus lissé, sans pixels. Plus coloré, tout est refait, il n'y a pas que le personnage, il y a tous les décors qui ont été refaits de A à Z. Il y a peut-être des petites mises à jour qui vont être mises par la suite parce qu'il y a des petits problèmes de temps en temps, mais c'est vraiment des petits problèmes mineurs. Bref, on se retrouve directement pour découvrir la première partie de Resident Evil 2 HD Project, l'édition 1998 et l'HD Project 2.0. Je vous demande, s'il vous plaît, si vous aimez mon contenu, à mettre un like, abonnez-vous, activez les notifications. Aimez, commentez, partagez, c'est gratuit, ça coûte rien. Ça donne la force, dans la description, vous aurez tous mes réseaux sociaux. Et je vous dis à tout de suite pour les displays. Let's go. Resident Evil 2. Resident Evil 2. A bizarre incident occurred on the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the a mutagenic toxin created by the International Enterprise Umbrella Incorporated. Je vous laisse la cinématique, hein. Weapon experiments. The Raccoon City Police Department's special star immediately began investigation. The case was apparently closed thanks to the efforts of Star's members Chris Redfield and Jill Valentine. Umbrella Corporation. Experiments were far from finished. Les souvenirs, hein, vraiment. La qualité des graphismes, c'est normal. Hein. C'est vraiment un jeu de PlayStation 1 qui a été refait. Donc en gros, pour pas piquer les yeux. Mais ça reste un jeu fait à l'ancienne, quoi. Un jeu rétro. Donc le son est bon. Pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Même les cinématiques ont été retravaillées parce qu'elles étaient horribles. Hello? Is anyone here? Hello? Hello? Oh, le vieil Ted Killoli. Look, I'm sorry I bothered you, okay? Mais que t'es moche! Get down on it. Head to the police station. It'll be a lot safer.
Direct dans le temps, je vois ça. Enfin, les cinématiques comme ça, on faisait wow, impressionnant. C'est de toute beauté. Vas-y, mon pote. Bonne nuit à toi. Merci d'être passé, ça fait plaisir. You're a cop, right? Yeah. First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to Claire Redfield. Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. No! Oh bah lui il a pris cher hein. You okay? Still in one piece. Et voilà leur chemin qui se sépare. Claire! Leon! I'm okay. Head to the station. I'll meet you there. Okay. I'll meet you there. Let's go. Alors, les touches. Normalement, il a adapté à la manette Xbox le jeu. Donc on voit bien que, ouais, c'est pas... Ça reste les graphismes de PlayStation 1, mais on voit que c'est super super mieux fait quand même. Hein. En gros, ça pique pas les yeux si vous préférez. Donc, que je me rappelle un peu l'histoire. Et bien vu ça d'avoir fait une cabane avec ton père, Anakin. Excuse-moi, à des moments j'essaye de me concentrer sur le jeu. Ce qui est bien, c'est qu'on peut passer la cinématique des portes. Quand on appuie sur A, et ça c'est stylé de ouf. I'm a human. Oh, il est pas commode, lui, dit-on. Sorry about that, babe. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Ok. Donc là, on a des petites munitions, super. Ce qui est chiant, c'est que ça va être en anglais, donc j'espère que ça va pas trop me saouler. Putain, le bon que j'ai fait. On va tous les dégommer parce que je me rappelle qu'on peut prendre son arbalète si je me trompe pas. Voilà. Et quand il n'y a plus de musique, c'est que c'est bon. La petite tabarlette qui fait plaisir. Donc attendez, combiné. Yes, on a 13 munitions maintenant, c'est cool. Et on y go. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce Resident Evil 2. La dernière fois que j'ai fait un live dessus, c'est il y a un an. Est-ce que le son est pas trop fort pour vous, mes amis? N'hésitez pas à me le dire, Sartu. Oh merde!
Casse-toi, toi. C'est bon. On n'en parle plus. Ah, des petites munitions ici. Super, ça, heureusement. Parce que j'aurais été dans la galère. Donc, est-ce que pour vous, les gens, le son, c'est bon? Oh putain, l'enfoiré. Barre-toi. Saigne. Il veut pas saigner. Voilà. C'est agréable quand même d'avoir des graphismes vraiment beaucoup plus lisses, beaucoup plus colorés, surtout de l'ancienne version. Là, je fais un live sur ce jeu parce que ben, c'est pour redécouvrir l'ancien jeu, quoi. Et vous faire découvrir la version HD Project. Normalement, je vous mettrai un lien une fois le live reposté sur YouTube. Histoire que vous puissiez, si vous avez la version originale, installer le HD Project. Mince. Est-ce que je peux essayer de les éviter? Oh, l'enfoiré! Oh là, il va en avoir plein. Si je me trompe pas, il y en a beaucoup ici. Ah ouais! Ah ouais, sale histoire! On se casse. Je me casse! Moi, j'ai connu le jeu vidéo avec ce jeu, les amis. Enfin, le premier épisode. Oh putain, le bon! Tiens! Plus de tête! Plus de tête, my bro! Ok. Nanani. Donc ouais, Anakin, je comprends que tu puisses ne pas aimer. Parce que je pense que c'est pas de ta période de... Ah! Je sais plus quel âge que tu as. Peut-être que t'as jamais connu ce jeu. Toi, t'as sûrement connu que le remake, en vrai. La possibilité. Donc allons-y. Mince. Oh, l'esquive. Je vais essayer de garder des munitions un maximum, ce serait cool. Le fameux commissariat de Raccoon City. Oh, la musique à l'ancienne et tout, ouais, c'est... On a fontaine, written here. Ok, il faut mettre un logo sur la fontaine ici. Pour ouvrir les cœurs, hein, Beautiful Beast. Donc comptez pas sur moi pour faire la traduction. Moi, je ne fais que jouer. Parce que moi, les traductions, c'est pas mon délire. Donc attends, on a quoi là? Yes, je veux utiliser le computers. Ruban, Link, Ruban. Salut Styx, comment vas-tu? Je n'ai pas de ruban. Je n'ai pas de ruban. Donc on va faire une petite sauvegarde. Dommage que je peux pas le mettre en français. Ça c'est vraiment... vraiment dommage. Ah ouais, t'imagines, t'as vu comment c'est propre quand même? Comme version. Elle est propre, hein. Mais je pense la mettre avec l'émulateur, parce qu'ils ont fait le patch aussi pour l'émulateur. Et je pense qu'avec l'émulateur, on va pouvoir l'avoir en français. Il y a peut-être un moyen de l'avoir en français. Donc, excusez-moi, là, j'ai voulu faire vraiment au plus vite. J'ai galéré à mettre le patch. J'ai mis, sans vous mentir, pour installer ce mode, j'ai mis 4-5 heures. Parce qu'il y a les cinématiques et tout en HD. Oh, le v'là, lui. Hang in there. Are you the only officer left in the building? Who are you?
Tu es le bâtiment, l'officier du bâtiment. Qui es-tu? Je suis Claire Redfield. Je cherche mon frère Chris. Over 10 days ago, Chris, Jill, Barry, every last STARS team member has disappeared. We should have listened to them. What happened? Comment s'appelle lui déjà? About 2 months ago, there was this incident involving these zombie-like creatures in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything, at the risk of their own lives. But no one believed them. Are you okay? Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But... Just go. Oh okay. Il menace mes cheveux. Just hang in there. I'll be back soon. Il a menacé ma queue de cheval, dis donc. Il faut que j'y vais. Il m'a donné une carte pour appuyer sur un bouton pour débloquer une porte, si j'ai bien compris. Oh, il m'a enfermé. Bah attends, il pouvait pas se lever à 2 secondes et là il m'a enfermé. Ok, bah super toi. Donc attendez, le menu il est vraiment pas mal. La map, est-ce qu'ils ont toujours refait? Oui. Ah, je kiffais ces sons, regardez. Rien que le... Oh là là. Tout a été refait. De fond en comble. Donc là... On a un accès là-bas, je pense que c'est la porte là qu'il faut aller, mais je vais aller vérifier quand même les autres portes. Hein? Normalement, il y a une porte là-bas, non? Ouais, il y a une porte ici. Mais je ne peux pas. Elle était fermée magnétiquement, si je me trompe pas. Fermée électroniquement. Ah ouais! C'est... Il faut aller sur l'ordinateur. Ok. Ah, yes. Locked. Locked. Yes. Voilà. On a débloqué. On a débloqué la porte. Ça risque de nous induire en erreur parce que le dernier Resident Evil 2 que j'ai fait, c'est celui sur Xbox. Et c'est celui que je vais faire au final, une fois que j'aurai fini Resident Evil 8. Parce qu'ils ont fait la version next-gen de Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake et Resident Evil 7. Donc on va les faire, hein. Donc attention, on a un petit document. Pour ceux qui sont forts en anglais, ben, vous faites pause, hein. Nous, on va pas se casser la tête. Ok. Notre signe spécial, il n'y a rien de spécial. Peut-être dans le tiroir ici, non? Ah oui, bah oui, elle a des capacités de crochetage. En haut à droite, on voit qu'elle a des trombones et tout. Donc voilà, nickel. Du soin, plutôt cool. Oh! Et un liqueurs. That is an acetate ride. Oh putain. Oh punaise! En espérant qu'on va pas trop galérer, parce que c'est vrai qu'en anglais... ça risque de piquer. Ok, lui il lui manque une tête, ça c'est con. Oh merde. Une clé pour débloquer la porte. Tu vois, regarde, même les cinématiques, hein, ils sont en HD. Entre parenthèses, bien sûr. Y'a pas de soucis, l'ami, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager, surtout si vous avez des amis qui aiment les contenus rétro. Je fais un contenu rétro par semaine, la plupart du temps. C'est rare, mais bon. Oh punaise. Je vais le goumer, regarde. Hop, hop. Enfin, je vais essayer. Oh mais merde hein. On va pas essayer de le vaincre pour l'instant. Ça sert à rien parce que vous avez pris, j'ai pris tellement cher. J'ai vraiment pris tellement cher. C'est hallucinant.
Oh putain, ouais, j'ai... Mon perso est pas bien, là. La balette, je vais la garder pour autre chose, quand il y a beaucoup d'ennemis. Je regarde un truc, est-ce que mon overlay elle est bien mise? Parce que j'ai l'impression qu'il est mal mis. Non, il est bien mis, hein. Donc là, on a rien du tout. Ok. On fait le tour parce que je m'en souviens plus trop. Report, tac tac. C'est plus, je vais doucement, c'est plus pour les gens qui veulent mettre pause et lire ou traduire. Le temps que vous n'avez pas des écritures vertes sur vos documents, c'est que c'est pas important. Enfin, si c'est toujours le cas avec la version HD Project, hein, bien sûr. Ah, paging above it, ok. Quelque chose de peint au-dessus de la cheminée. Un sacrifice par le feu. Il y a peut-être un truc à faire ici. Ouais, je pense pas, hein. Ouais, ici, je sais qu'il me faut un briquet, ouais. J'en étais pas sûr, mais merci de m'avoir confirmé, mon ami. T'as lancé. À l'époque, toi, c'est un jeu, c'est waouh. Look, this air, what is recent accident? Regarde ici, ça fait voir des accidents récents. Donc on va continuer le chemin. Même les sons et tout, t'as vu, ils sont beaucoup plus propres. Hein. Vraiment. Holy shit. Non! Mais non, cassez-vous! Dire que j'avais la même coupe que toi quand j'avais 5 ans. Maman, je te hais. Ouais, c'est un jeu de PlayStation 1 qui a été remake, bah, qui est plus beau en fait, hein, tu vois, qui est pas pixelisé. Il est en 60 FPS, mais ils ont gardé l'âme d'un jeu de PlayStation 1, si tu préfères, si tu connais pas. Je sais pas si tu connais Resident Evil, Zertex. Mais c'est la nostalgie. Franchement, moi, je vous invite tous à essayer des jeux rétro. Croyez-moi que vous avez plus kiffé la plupart du temps les anciennes versions que les nouvelles. Faut pas se fier à l'apparence, vraiment, parce que c'est vraiment une ambiance. Tu mets le son à fond du jeu, les sons d'ambiance, l'univers, la DA, tout te fait extrêmement flippé. Ça, c'était du Resident Evil. Toi, c'est pas le Resident Evil 7 ou le Resident Evil 8 à la première personne, c'est rien à voir. C'était ça, Resident Evil. Encore ça va, le remake avec la vue troisième personne qui va arriver prochainement sur la chaîne. Par contre, ce jeu... Le 2 à l'ancienne version, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait. Le 2 à l'ancienne version, j'ai jamais fait. Fini. Mais la nouvelle version, oui. Je vais être surpris parce que c'est pas du tout la même chose. Donc là, on avait le système de coffre où on pouvait mettre des items. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà... combiner, voilà. Comme ça, on a plus de soins. Ah, le RE4, ouais, c'est vrai que... Bah, en fait, c'est parce que c'est deux styles de jeux différents. T'as RE1, RE2, RE3 à l'ancienne sur PlayStation 1 et sur GameCube, qu'ils étaient vraiment pas mal. Parce que c'était la vue statique, hein, vous voyez, c'est vraiment, tu marches sur une image, quoi. C'est tout. Avec des caméras statiques. Après, c'est passé de la troisième personne avec Resident Evil 4, mais ils ont fait un bon petit truc. Après, Resident Evil 5, ils se sont un peu chiés dessus. Resident Evil 6, ça allait, les autres aussi, ça allait. Resident Evil 7 et Resident Evil 8, ils ont un peu bâclé le truc. Donc c'est pour ça que je suis content que Resident Evil 8, ils ont fait un mode de troisième personne. Hein. Vous avez vu, j'ai mis des vidéos sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller mettre des petits likes, s'il vous plaît, c'est très important. Donc voilà. I can develop frame air. C'est pour débloquer des photos.
Je veux utiliser un ruban. Oui, on va sauvegarder. Bah, RE5, en vrai, en ayant fait le 100%, je vais pas te mentir que j'ai kiffé en fait. J'ai kiffé le refaire, j'ai kiffé. Parce que le plus chiant dans Resident Evil 5, c'est le gameplay. Le gameplay, il est un peu bizarre. Enfin, c'était la première fois que t'avais vraiment des zombies avec des armes, des trucs un peu chelous, quoi. Enfin, ils faisaient la moto et tout, les mecs. C'était waouh. Mais, ah, tu trouves que le 6, c'était le pire? Ouais, c'est vrai que le 6, le truc qui était chiant avec le 6, c'est vraiment que c'était un Resident Evil trop action. Tu vois, vraiment, le Resident Evil action. Regardez ça, même l'animation des escaliers. J'ai enlevé, hein, j'ai enlevé les bonbonnes parce que bah au final on en a à chaque fois les points de sauvegarde. Donc moi je vous conseille, quand vous jouez à ce style de jeu, au mieux de recharger dans le jeu, appuyez sur Y ou la touche pour l'inventaire, faites combiner, au moins les ennemis peuvent pas vous attaquer pendant que vous rechargez votre arme et vous aurez pas l'animation. Ok. Il y a un truc quelque part d'autre pour déverrouiller cette porte. Si j'ai bien compris. Donc attendez, là... Si je me trompe pas, ici on doit pousser. Pas jusqu'au fond. Parce que top dans le fond, je suis pas de mire. Non, je rigole. L'expression du Nord. Ouais. Voilà. Si je me souviens bien, c'est ça. Et la seule chose que je reproche au nouveau Resident Evil... c'est qu'il y a beaucoup moins d'énigmes. Enfin, les énigmes sont... il y en a qui sont présentes, mais il y a beaucoup d'énigmes qui sont hyper, 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 hyper faciles. Donc, attends. Attends, je crois que je me suis trompé. Il fallait que je fasse en sorte que les deux regagnent la statue. Something is written on the monitoring. Ah, ok. The god of sun, le dieu du soleil, and the god of moon, et le dieu de la lune. Their gaze open me... is the online thing that can release Red Soul. Donc en gros, ouais, il regarde le diamant. Pour une traduction rapide. Donc ouais, je me suis un peu foiré. J'ai confondu, comme je dirais-je, Birut et Casse-Croûte et Bit Chain et Chain Main Bit. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais... faut pas oublier que je suis moi-même, les potos, hein. Donc si j'ai envie de dire ça, je dis ça. Non, je plaisante. Présente bien sûr. J'espère que je vous ai pas choqué quand même. Liberté d'expression, je sais pas si ça existe encore en vrai. Donc là je peux le mettre dans le fond. On peut le mettre dans le fond. Voilà. On a presque plus le droit de rien faire en France les gens, donc faut quand même qu'on ait le droit de parler, non? Ce serait un peu malheureux. Voilà. Voilà. C'est ça qui était bien dans les anciens Resident Evil. Les énigmes. Ça nous a manqué. T'imagines, ouais. Tu dois lever le doigt et YouTube, il te met un coup de... il t'envoie un petit missile à côté de chez toi. C'est bon, t'as le droit, t'inquiète. Pas de soucis. On tuera ta famille, c'est tout. Open the door. Regarde, tu vois la différence. À chaque pièce que je change, tu vois direct la différence. Franchement, ouais, je disais que les... C'est ça tout à l'heure, j'ai perdu. Je disais que les premiers jeux que j'ai eu dans la main, c'est deux jeux Capcom. Donc Resident Evil, le 1, dans le manoir, Rebirth. Douleur d'estomac, excusez-moi, je prends un truc pour la boire d'estomac. Waouh! J'ai pris un café, mais waouh, il est extra fort. Un cachet à la fraise, c'est bon ça. Et le deuxième, c'était Street Fighter. La base de la base, hein. Donc, moi qui est né en 93. Et ben, la première console que j'ai eue, c'est la PlayStation 1. J'ai joué à la Sega, j'ai joué à la Super Nintendo NES. Un peu de tout, mais quand j'ai eu l'âge. Ah, Street Fighter à l'ancienne, ouais, c'est... c'est aussi le feu de Dieu, hein.
Ok. Il n'y a rien à faire ici. Là. Is Jerry. Pause. 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 Le temps qu'il n'y a pas d'écriture verte, c'est que c'est pas important. Oh. Bordel. Ah oui, bah oui. La Super Nintendo. Comme les trois frères diraient, la Super Nintendo. Attendez, là y a rien. J'ai eu le... Mince, attendez, je peux ouvrir ça normalement, non? Oh oui, le fusil à pompe. Je peux aller mettre ça à la fontaine, si je me trompe pas. Qu'est-ce que c'est que Stubbins? Federal Police Departmental Internal Investigation Report. Mr. Chris Redfield, Recon City Police Department Stores Division, as per your request, we have conducted our internal... Je vais arrêter, je vous épargne. Ok. Je vous épargne mon semblant d'anglais. Le mec qui lit, il sait lire, mais il sait pas, il comprend pas, il comprend pas. I don't complain this. This is language. Du coup. Par contre, ouais, il faut que... Je sais plus où je dois le mettre ça par contre. Regarde, même le fusil à pompe, hein. Si je fais check. Ah non, c'est un lance-grenade. Ah merde. On va pouvoir tuer le Lakers. Ok, ben donc j'ai pas le choix. Je pouvais pas aller plus loin dans le bureau, dans la Stars là. Je sais plus. On va aller voir hein, au cas où, c'est vrai, parce que c'est vrai que quand t'oublies quelque chose dans le jeu, bah t'es obligé de refaire toute la map. Il me semble que la pièce était plus grande. Bah c'est peut-être dans Resident Evil 2 Remake, parce que dans Resident Evil 2 Remake, t'as un grillage et t'as une armurerie. T'as l'armoire de l'arme, que là, elle est directement ici dans cette version. Dans cette version. Ça se peut que tu fais la même erreur que moi, des moments je confonds avec la version remake, parce que la version remake je l'ai faite à 100%, donc du coup, je t'avouerai que des moments je me trompe. Mais j'ai eu la même impression que toi. Trop de changements, je trouve. Mais là, ils sont en train de travailler sur... j'ai vu, hein, il y a une chaîne qui s'appelle Residence of Evil. Je sais pas si t'es abonné. Et... Ils ont parlé du remake de Code Veronica X et ils vont faire le 1 à la troisième personne. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, vraiment. Donc là, alors, j'ai débloqué quelque chose ou pas? Non. Donc, est-ce que sur la carte, du coup... Ça va être compliqué parce que j'ai l'habitude que dans Resident Evil, en fait, quand les portes sont fermées, ils sont en rouge. Et que quand les pièces ne sont pas fouillées, sont en rouge aussi. Que là, il n'y a aucune indication, je préfère vous le dire. Véronica, je l'ai pas fini. Donc je vais aller sauvegarder quand même. Très important de sauvegarder, parce que si tu ne sauvegardes pas dans les machines à écrire, il n'y a pas de sauvegarde automatique, les amis. Donc c'est compliqué. Ah ouais, il faut une clé spéciale, c'est vrai. Mais le prochain live sur le jeu, je vais essayer de mettre la version remake. Enfin, cette version. Dans... comment on dit? Mince, je vais mettre ça là, ça sert à rien pour l'instant. Ça me prend de la place au mieux qu'autre chose. En version Dolphin ou en version PCSX, la version émulée. Parce que ça se peut que grâce à ça, du coup, j'ai pu l'avoir en français. Parce que là, je peux pas l'avoir en français, du coup. Mais avec la version émulée, il y a moyen. En espérant que ça fait pas d'interférence avec les succès, quoi.